Ok, guys, je dis à, mais ça que nous allons faire. Nous allons le faire et ça qui est le, nous allons le démontrer. Nous allons une section qui gagne ça qui est le gradient background. Qui ça gradient background? Gradient background, non, mais ça lié. C'est là que, bien un commando comme ça, telle section, telle section, telle section, il besoin d'un gradient background. Ou dans tel bouton, il besoin d'un gradient background. Différence qui gagne entre gradient background, par exemple, si je prends une couleur et maille ça qui sont moyens, ça sont solide background, c'est un uniforme background. N'importe quoi après ça, il dit ça c'est rouge. Ok, je ne vais pas parler de logo. Un gradient background, regardez bien, oui, c'est un background qui est non uniforme. C'est-à-dire qu'il y a un background, tout côté maille, c'est rouge lié. Ça c'est rouge. Gradient background, lui-même, lui fait lui référer ça avec ça qui est couleur de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que l'arc-en-ciel gagne plusieurs couleurs. Qu'on y a maintenant, on m'a dit, on dit ok, Franz, qui bon map joue un gradient background, mais rappelez-nous bientôt dans éditeur, ça nous qu'on fait, nous qu'on joue background yo, nous choisis rouge ou bien bleu ou bien ça, c'est le ça que nous choisis tout solide background. Eh bien gradient background, non? Premier, ça, moi, Balmoto, qui ça qui gradient background, non? Balmoto, son website qui relève CSS gradient.io. OK? Ou même capsule sur écran, ou même capsule sur écran, moi, je vais le taper li. OK? Je vais taper CSS. OK? Et lui-même qui peut générer background, ça, pour nous. OK? Gardez gradient et background. Ouais, on laisse ça. Mais ça qui est le gradient background. Mais ouais, c'est pas tout ça. Est-ce que nous avons écran? Si nous avons écran, si nous avons écran, s'il vous plaît, faites-moi connaître pour moi participer à vous. Si nous, est-ce que nous avons écran? Et depuis nous avons écran, deuxième écran, mettez à lever maintenant. Lever maintenant si nous avons écran. OK, parfait. Parfait. OK, mais ça qui est le parfait. OK, nous avons écran. Oui, qu'on a maintenant. En aucun cas, non dashware pour les ça, c'est-à-dire que new gradient background, nos exemples, new gradient background, c'est-à-dire que nous avons un petit rouge là-dedans, un petit bleu là-dedans, ça est le new gradient background. Tu mets ça dans tête, nous. Je dis à nous apprendre ce qui est le gradient background. Quand il y a gradient background, non, ouais, nous composons le comme ça, nous composons le comme ça, ouais. Quand il y a maintenant, ouais, gardez pour ouais, mais ouais, quand on a l'aimer le copier gradient background, non, c'est là mon gradient copier. Quand un client dit nous comme ça, mais ce client qui va jouer avec le background, c'est pas vous-même qui va le créer pour lui. C'est qu'on a ou même Wallou, client doit dire comme ça, dit ouais, nous background côté, il dit on est tard mais background comme ça. Mais c'est pas où je lis. C'est où va dire client comme ça que on peut aller dans CSS gradient generator. Et là, qu'on a ce client qui va jouer avec lui et puis qui va le dire comme ça, mais voilà. Il y a même pas jouer avec lui, il va donner avec le background il besoin. Ouais, regardez là. On a m'gat en créer une pour me créer lui. OK. En aucun cas dans système là ou pas ca jouer une couleur ça. So, par le fait qu'on pas ca jouer une couleur ça dans système là, eh bien qu'on a maintenant nous pas le mettre lui à travers des éléments qu'il a dedans. Nous gat en connait exactement qui ça un gradient background. Nous gradient background, c'est un background qui pas gagne une seule couleur, c'est-à-dire qu'il pas couleur uniforme. Ça a clair, tant que couleur de l'arc-en-ciel. Bon, c'est vrai, l'arc-en-ciel a sept couleurs, nous avons ça déjà. OK, mais gradient background, son mélange de couleurs qu'il y a, ça nous allons parler de ça. Qu'on a maintenant, qui j'en pour nous mettre dans le système là. OK, 17, on a des dans un fanot. OK, peut-être son rappel, OK, m'a créé un fanot. Créer un fanot, moi le fanot ça. OK, moi le fanot ça, gradient. Moi le fanot ça. Gradient, background, OK, gradient, background, section, OK. Qu'on a maintenant, OK, supposons qu'il m'apprend sous domaine de ça, quitter le domaine de ça, comme d'habitude, nous choisissons ça, et puis, m'aller là, OK. Qu'on a maintenant, OK, qu'on a maintenant, m'apprend. OK.
Qu'on a maintenant, on nous prend un bagage, on nous prend un, on nous prend un, on nous prend n'importe quel template. OK, on nous prend un template pour lui. OK, on nous prend un template pour lui. OK, m'a pris un template ça, sélectionner template ça. OK, qu'on a m'a édité template ça, cliquer sur save. OK, ouais, là, mais là, ça, c'est un bel exemple. Ça, c'est un bel template. Nous prenons template ça, il y a là-dedans un solide background. Nous voyons que section, il y a là-dedans. Section, il y a là-dedans. Mais section. OK, section ça, il y a là-dedans rouge, comme un solide background. OK, nous voyons l'autre, c'est OK. Quand on a ce client, on dit comme ça que, il besoin section ça, tant qu'on a un gradient background. Faites attention. Mais comment, OK. Pour ajouter, pas écrire rien parce que vidéo a pour nous. Pour ajouter, new gradient background dans section, mais étape 1. Étape 1, mais ça qu'on fait. Ou cliquez sous section 1. Attendez bien, oui? Ou cliquez sous section 1. OK? Ou cliquez sous section 1. Pour qu'il soit, ou cliquez sous section 1, ou elle prend ID section 1. OK? Donc, on est prêt. Pour mal prendre. Identification section 1, je suppose venir là. OK, je clique sur section 1, mais je clique là. Mal prend ID section 1. Mais là, je copie ID section 1. On a même copié ID section 1. Regardez bien, oui. Ma vous donnez prendre pour moi copier ID section, c'est première démarche. Deuxième démarche, oui, mais avec qui élément vous pouvez l'ajouter, vous pouvez ajouter et gradient background, dire le raw HTML, ça c'est code là. Regardez bien, moi joagli dans section. Bon, vous tournez faire pour nous encore. Faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. Faites attention. Ouais. On gâte, changez bien. Et section, on gâte, faut pile déjà dans ma bouche, dans souris. Pour nous maintenant, moi, vini là. Moi, drag raw HTML. OK. Ouais, regardez ça me fait. Faites attention là. Votre attention, s'il vous plaît. OK. Voilà, mais. On est assez dans la première section, je vais le mettre, je vais le créer gradient background. Je vais cliquer là, ou bien si je vais cliquer là, ou à côté de marquer, ouais, dans la section HTML là, je vais dire edit code. Tout ça, je vais facile. Regardez bien, regardez ça, me taper. Je vais taper guillemets. OK, nous comptons pour nous prendre un guillemets sous keyboard noir, taper guillemets. Et puis, je tape style. Ça, c'est comment, son commande nous fait. Je tape style. Je ferme guillemets. Ça va paraître. Il paraît deux fois. Regardez ça, me fait. Avec souris. Je pèse, vous voyez? Mais, je fais 1, 2, 3, 4. Je suis là. Quand a maintenant, vous rappelez bien que je suis save section de la mettre là. Et dans ma housse là, qu'on y a maintenant, je vais copier section là. Avant de copier section, changer ça. Du coup, pour mettre un bagage dans HTML, je suppose mettre hashtag devant. Moi, pèse chiffre, je prends hashtag. Qu'on a moins copier section, moi, te copier. Moi, pèse section de copier. Attends, pour attention encore là, regardez le bagage, moi, pour le faire. Kounya mwen pral pran yon akolad. Gade nan ma ou soa, ma fè akolad. Mwen ouve, ok? Akolad yon braket, ok? Akolad. E pi mwen ferme akolad la. Kounya mwen pran ma ou soa, mwen pral mette li, mwen pral pese li de fwa. Hein? Ye, mwen ka mette li twa tou. Wè la, on a code ça mais qui côté qu'on a placé code gradient
qui côté bal ouais code sam de moi kouna maintenant bral moi pral sous CSS gradient generator kouna maintenant moi pral prendre code là voilà kouna OK bon retourner faire ça encore OK bon retourner faire encore OK bon retourner faire encore pour nous pour nous comprendre OK OK mes sections mais sous page mais qui sous page là OK kounya mais ça me fait regardez bien moi pral prendre section là pral prendre id section là on pral copier on copier regardez bien on copier là on copier boom kounya maintenant pour me faire li moi retourner sous élément on gantan copier id section là mais là moi retourner sous élément on clique sous élément kounya m'a retourner back sous élément la motone back sur élément moi pral drag raw html dans section OK ouais mais vin moi drag là OK il te gata gata ali OK gardez bien fait ça mais allez non l'autre section mais dans section première section nous pas mettre OK mais me fait ça voilà là voilà mettez le sous section oui attention pour ne pas mettre sur l'autre section sous section et puis moi peser et puis me dit edit code tout ça moi te joindre moi facile et puis moi pèse guillemets chiffre guillemets moi taper style taper pour taper style moi ferme guillemets ou même côté a il paraît qu'on a moi pèse enter pendant 3 fois ou 4 fois me fait 1 2 3 on va mettre OK qu'on a maintenant ouais ça me fait là qu'on a changer bien de copier section mettre hashtag on a moins tapé section moins paste section de gain qu'on a ça qui me fait devant section moins ouvert section m'a fermé section OK devant section moins ouvert section m'a fermé section et puis moins mettre accolade me pèse chiffre accolade me pèse chiffre accolade donc qu'on a les moins fin fermé vin dans mi-temps et bracket yo me pèse on ka faire moi ka faire deux fois OK ça veut dire que code ça moi pour aller copier à mais côté me copier code pour gradient là et puis moi pour aller mettre li dans mi-temps ba m'a mettre là baisser paste la paix qu'on a maintenant et puis moi save voilà Noël guys voilà, Meni. Voilà. Ouais, section li changé. Est-ce que là? Ouais, section li changé. Kounya nou di friends. Et souvle retire et souvle, ouais, Meni. Mais li changé là. OK? Kounya nou di friends, ceci que me voulez retirer. Et si mal édité code là ça va passer. Donc m'éditer code là ça mal passé, vinn là mais HTML code là. Ouais. Kounya ouais mais HTML code là. Meni là, moi édite li et puis moi éliminer le. Comme éliminer li ça va passer, me fait save. Ouais, il retourne dans même couleur encore. Pas question là. M'a préfère là encore. Faut attention encore. Faut attention encore. Ma préfère encore, côté attention. OK, côté attention. Je dis que pour me capable ajouter, pour me capable ajouter un gradient background. Background, ça m'a là, c'est un solide background, un uniforme background. Pour a si besoin ajouter, c'est client qui a mon code là. Côté client qui a mon code là, c'est client qui peut générer le background pour coller. Et puis c'est ou même,
la voye code là-bas. OK, la voye code là-bas par email adresse. Eh bien, mais écoutez, me dit mais qui website ou bien code là, ou bien code là non, css://gradient.io. OK. Ça c'est mes côtés yo composé li. Et comme d'adou, ou à l'acheter peinture au magasin, souvent des peintures blanc bon, il y a baou peinture blanc. Comme ça tout ouais tout yo composé, c'est même concept là. Kounya là, mais voilà. Voilà kounya là, moi pral mete yo mais ça c'est un gradient background. Ouais, l'identifier. Kounya maintenant qui j'en pour me faire li, par aucun côté dans système là pour ajouter gradient background. Par exemple, ou ka changer background de cabine solide. On nous dit que on veut changer background ça là. OK, il était rouge. Ouais, il était rouge background ça, mais on dit on veut changer background. Changer background dans la section 1. OK, c'est rouge lié. On a on ka mettre le noir. OK. On a six clients dit que hey, section ça moi pas voulu et background moi noir, moi besoin d'un gradient background. Pour une là vous cliquez dans settings, moi copier ID section 1, OK, copier ID section 1, on est maintenant ça que me fait moi venir dans HTML comme était bon éliminer HTML code là, OK, soli on est me prend élément ça élément que le raw HTML mettez là. On a moins cliqué sur lui, moins édit lui, tout ça me tait là, moins éliminer lui, moins éliminer tout ça me tait là. On a maintenant pour rentrer comment ça. J'ai bien m'a pesé chiffre guillemets, on tape style. S T Y L E, moins ferme guillemets. On a le lui, pas le fait, lui paraît dans tag là, ça son tag lié ou de sa tag. Nous avons besoin de mémoriser tout ça au terme technique. Sur ça. Et puis, je vais peser le banan. Ouéli, dans le temps, je vais faire une descente. Je vais faire 1, 2, 3. OK, mettez-le là. On a maintenant, changer. On a maintenant, je vais le mettre. Section bléa, de gagner le copier déjà. Je mets ça qui me fait. Je vais peser hashtag. Je vais coller section 1. Je vais choisir coller. OK, et puis me mettre accolade, me faire chiffre accolade, c'est-à-dire que dans mi temps accolade là m'a peser enter pour m'a descendre yon, c'est-à-dire que yon a prouvé l'autre là la ferme. OK, me fait là. OK, ça c'est côté me va le mettre section, c'est côté me va le mettre et code pour gradient background. Me vienne là, moi cliquer sur copy. OK, gradient background on pique sur lui là, boum, et puis moi retourner là. Voilà ma gloire. Meni là, mais et puis me peser save et puis la paix me gradient background. Et puis c'est tout, il pas rien l'autre gel faire. Et puis il pas l'autre gel faire, peser save pour aller me déjà le website là, m'a joindre que moi gagne un gradient background. Voilà. Ma sûr nous connait web background comme ça dans website. Là oui. Je vais vous faire un peu de website, mais comment il fait? Je vais vous faire une question qu'on y a là. Et tout à l'heure, je vais vous faire une question. Ok. Est-ce que vous avez une question qu'on y a là? Je vais vous faire mais si pas une question, levez-moi nous. Est-ce que nous comprenons? Si nous comprenons, je vais vous faire levez-moi nous pour, si nous avons une question. Ok. Gilio a une question. Ok, Gilio. Ok, Gilio, on mute et ou capable on mute tête ou qu'on y a. Ou ka on mute tête ou qu'on y a, Gilio. Ok, Gilio, on mute tête ou qu'on y a. Ya Gilio, ou mettre poser question. OK, deux minutes tête. Mba pa gen question non. Mga ta ouais, m saisi tout ça dit là. Vous comprenez tout ça me dit yo? Est-ce que li facile?
Il pas compliqué que ça, non. Mais ok, il y a des vidéos à plaquer sur YouTube. C'est que vous avez besoin d'aller là. Pour faire, vous avez besoin de website qui est SS Christian. Ok, t'as l'air. Et venez répondre sur TikTok, puis tu vois, c'est bien mon TikTok quand même, maintenant, mes conversations. Vous voulez me répondre sur TikTok? Yeah, montez sur TikTok. Ok. Ok, guys, so retourner sur TikTok, ça dit que moi, vidéo, c'est même, nous pas besoin de faire une répétition sur ça, et puis pour nous capable. Ok. Mettez fin avec Zoom, non, et puis nous allons continuer sur TikTok. Et facile, et puis si nous avons une question, montez sur TikTok, pour nous poser une question. Pour nous poser une question. Et puis, ok. Pour nous pas compliquer, ok. Nous allons lancer mon TikTok.